Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dragon Quest 8. La dernière fois, nous avions gravi la tour est du village d'Alexandria afin de retrouver Jessica qui avait fui sa maison. Mais au final, il se trouve qu'elle pouvait se démerder toute seule. Ensuite, on a rencontré le fantôme de son frère. Il nous a expliqué 2-3 trucs sur la vérité de sa mort. Pour enfin avoir le fin mot de l'histoire. Et du coup, le petit gars nous dit que Jessica est partie à Port Machin Truc, qui est la ville après cet endroit-là. Et sachez que cette ville, c'est la ville dans laquelle je me suis arrêté il y a 10-15 ans de cela, quand j'ai joué la première fois à ce jeu. J'ai pas été plus loin. Donc en vrai, je vais découvrir la suite du jeu avec vous, et ça c'est vous. Même si je me souvenais plus trop forcément de ce qui se passait là. Je vous avoue que je m'en souvenais pas du tout. La tour, le frère, tout ça. Mais totalement pas sorti de l'esprit. Sûrement parce qu'à l'époque, je ne faisais pas du tout attention à l'histoire. J'étais plus en mode, ouais, on tape des monstres et on fait de l'XP. Ça, l'XP, ça, j'ai jamais perdu ça. L'XP, j'ai toujours aimé en faire. Dans tous les jeux, j'ai toujours adoré farm. Non, ces chauves-souris, elles me foncent dessus, mais elles fuient dès qu'elles peuvent le combat, quoi. Y a pas de logique dans leurs actions. Celle-là, elle a pas fui. Puis quand je le dis, hein, bien évidemment. Sinon, c'est pas drôle. Affronter ce truc, je connais pas. Les méduses, je crois. Ça. Bon. Meilleure résistance. Je peux aller sur la plage, du coup? A priori, oui. Là, il y a un médigluant un peu plus fort que la moyenne, normalement. Médecin traitant. D'accord. Carrément. Une esquive. Aha. Il est peut-être faible uniquement à la magie. Sauf que
Bah, j'ai pas vraiment de magie. Les pigleuils. Ouais, nouveau monstre. C'était des crapauds hein, que je voyais dessus. Ah non, c'était ces trucs-là, les écrevisses. Les écrevissieux. Bon bobo. Ils sont rapides. Ok. Mais ils ont rien dans la défense. Très bien. Ne me pouvait trouver que vers le bas, bravo. Et l'idiot chez Square Enix qui a mis cette features. Hein? Petit crit, toujours plaisir. Un autre petit crit. Ok, bah repartons sur la route, on va continuer. C'est un monstre que j'avais déjà. Ah bah à chaque fois que je tourne la caméra, le monstre il disparaît. Il me fait souvent avoir comme ça. Putain, le jour où je chasserai les gluants de métal et que ça va m'arriver. L'angocha, un meilleur truc. La chagrifère, c'est l'évolution du langocha. N'empêche, la feature des monstres qui apparaissent, c'est carrément ça qui fait lag le l'émulateur quand j'y pense. Non, autrefois, si je disais, c'est. Je préfère jouer au jeu 3DS parce qu'on voit les monstres sur le terrain, mais.
Il y a un coffre là-bas. Cinquante pièces d'or, parfait. La ville, elle est par là, hein. Ouais, c'est ça, a priori. I say, you there. Yes, you. Hello there. I'm the town's resident photographer. Cameron's the name. Et mise au point. I hope you don't mind me asking, but have you ever taken a photograph yourself? You have? So you already know how to use a camera, which means you're aware that pressing the star and the taking a picture, that being the key. I wonder if I'd be very one shot. D'accord, donc lui il existe pas dans le jeu. Je crois que c'est un truc qui a spécialement dans. Sur la 3DS. Ouais, bon, ça c'est le truc habituel. Qu'est-ce qu'ils nous vendent ici? On a un peu de fric, on va peut-être. Non, la faute fermier, c'est pas une épée. Kilt de cuir, c'est ce qu'il y a déjà. Ça, c'est ce que j'ai déjà. Ok, donc c'est ce qu'on a déjà ici. Et toi, tu nous vends quoi? Des petits trucs là? Ok, rien de plus. Ok, donc on a les meilleures armes et armures du coin. Ok. C'est sûrement lui qu'on va affronter, d'ailleurs. Bonjour madame. Juste regarder ce qu'ils ont là-dedans. Non, les déserts sont des anciennes mers, c'est tout. Vandalisme. Ok. Je touche là. C'est quoi, c'est l'église? Ouais, c'est ça. Pas besoin d'y aller pour le moment. Ça m'amène à l'extérieur, c'est ça?
Exactement. Or, inobligé. Ready to show me the fruits of your... not bad. Not, do you know... It's a little hobby of mine to collect photos. I used to travel a lot. And so, I was wondering if you might... Ça pourrait rapporter des... Des objets. Oh, that's splendid. I'll use that book to set you photographic challenges. Quests to find special places and unusual... If you manage to take a picture of the quest subject... You may rest assured, I've actually prepared a little practice challenge to start you off. Let's see if you'll just come back and show me when you... Ok. Donc c'est dans quoi, dans d'hiver? Ok. Immortaliser un monstre. Mais si jamais c'est prêt, j'aimerais que vous preniez une photo d'un monstre dans la nature, n'importe lequel fera l'affaire. Ok. Voilà. Le taux de monstre. Ok. Marcher sur l'eau. Ok. Moi, ouais, bon, vas-y. Qu'est-ce que ça raconte? Monstre marin. Et l'homme qui marchait sur l'eau, sûrement Dulmagus. Et on va voir Jessica demander un bateau.
don't have time to argue. I want you to put out to sea now. My apologies, Miss Jessica, but the waters are simply too dangerous at the moment. Haven't you been listening? I told you I'd take care of that. Please forgive me, Lady Jessica. There'd be hell to pay from the Albert family if we put you in danger. Is there anyone around here with half a brain? Ah, speak. You're the travelers from the tower. Didn't I tell you to wait for me in Alexandria? I wanted to properly apologize to you. Well, whatever. I'm glad you're here now. Actually, I have a favor to ask. Would you mind coming over here for a minute? So, you're saying you won't let me fight the sea monster? Well, yes, but... what I mean... Fine, fine, not to worry. I've asked... Oh, well... Actually, we've been looking for someone to take on that very job ourselves. Well, there you have it. Everyone's happy. Can I count on you guys? Oui. I knew I could count on you. I still can't get what we saw in the tower out of my mind. Who is this Dormagus? And what does he want? And why did he murder my brother? I'll track him to the ends of the earth. But first, we've got to make the waters safe for ships to sail. The sea monster that's standing in our way is supposed to be pretty strong. You'd better be prepared. I'll be waiting here. Come back as soon as you're ready. Ok. Et du coup, c'est là où je me suis arrêté, moi, avec mon frangin. À l'époque où on y jouait. On n'arrivait pas à passer le monstre qu'il va y avoir. En fait, tout simplement. Mais du coup, avant de l'affronter, on va quand même aller sauvegarder. Parce que je vous rappelle que dans les Dragon Quest, hein, on reprend la dernière sauvegarde, il me semble. Donc ça serait con de reprendre très loin, quoi. Are you ready to set sail? Wait. Okay then. Quartermaster, prepare the ship. Aye, aye, sir. Mm-hmm.
I hate this tenta. No, I hate your tootickles! These nasty humans and their ships! Always sailing over poor Calamari's head! Yeah, Tenta, yeah. Humans don't have no manners. That's right, Tickles. They don't have none at all, they don't. No! That's why Calamari's gonna stand up for all the poor creatures of the sea. Starting by eating these here humans. Yeah, Tickles, yeah. He'll eat him. Eat him right up! Et voilà où on en était. Du coup, on va voir si j'arrive à le passer, mais... Vu la vie qu'il enlève, il va falloir... y aller fort, sûrement. La magie, ça fait 9 de dégâts. On va y aller au corps à corps, hein, simplement. Et on se soigne nous-mêmes. Yonki s'y résiste. Ah bah. Ok. On lui a roulé dessus. Donc comme quoi, c'était juste l'expérience qui me manquait à l'époque. We give up. No, sure it wasn't our fault though. It was his. That's right, it was. That jester, he came walking on top of the water to us. Just walked over us. He did. Pretty cheeky of a human to pull that little trick off, we thought. So we talked to him, we did. But when he talked, our head got all cloudy-like, and we started attacking ships. We did. Okay. It wasn't us, it was that jester, it was! Is this by way of an apology, like? Oh. Well, we found it in the ocean, we did. Go on, take it, mate. It's the least we can do. Merci, ça a augmenté notre défense. Well, that is all from us. We are leaving now. We are... Not bad, guys. You're a lot stronger than you look. You know, we've never properly introduced ourselves. I'm Jessica, Jessica Albert. And who might you be? I'm Yangus, and this here's the Gov. Yangus and the Gov, is it? Right. Thanks again for your help with the sea monster. Now, let's find Dormagus. I'm sure you need to get ready first, so let's head back to Port Prospect. I'll tell the captain to weigh out. Oh, I almost forgot. I called you two thieves back at the tower, and I never formally apologized. So... forgive me. Anyway, I'll talk to the captain. All hands on deck!
Why anchor and prepare to come about? We're heading back to Port Prospect! Parfait. We took care of the sea monster, so I got them to agree to wait for us. I figured you'd like to rest and buy provisions before we set sail again. I'll be waiting for you here. Don't take too long now. We've got work to do. Yep. Mais je pense que on va s'arrêter là. On est à 30 minutes. On va pas partir trop loin. J'ai atteint ce que je n'avais pas réussi à passer à l'époque. Au final, il est très simple. Hein. Il suffisait juste d'avoir l'XP pour. J'imagine que je devais être level 11 ou un truc comme ça. Du coup, je me faisais rouler dessus à l'époque. Mais là, ça va. Donc du coup, sur ce, je vais vous dire à tous, ciao, à plus. Et je vais vous donner rendez-vous au prochain épisode pour la suite de tout ça. Allez, salut à tous.